Donc, je suis un vieux militant de l'hôpital public puisque ça fait 40 ans que je travaille dans l'hôpital public, donc où j'ai vu un certain nombre de dégradations de conditions de travail. On a vu ça avec une injonction à la performance, une injonction à faire toujours plus qui commence à gangréner un peu nos esprits, sachant que l'hôpital de Nantes, on est la seule structure de la région publique. Il n'y a aucune clinique privée de chirurgie cardiaque dans la région, donc on est finalement les seuls à gérer plusieurs millions d'habitants avec des durées d'attente et des délais d'attente, et donc des injonctions des autorités pour aller plus vite et pour répondre aux besoins de la population, ce qui en est de faire en fait. De ce fait d'y avoir beaucoup de gens qui viennent pour répondre à leurs besoins, donc on va dire un besoin primaire qui va être l'urgence vitale, mais la porte des urgences c'est aussi là pour régler tout ce qui est problèmes sociaux. On ne se ment pas, vu qu'il n'y a pas de budget qui est mis dans le social, et bah, c'est repoussé sur l'hôpital public. Et en fait on s'aperçoit que en un minimum de temps, dans un endroit clos, il y a trop de personnes qui sont au même endroit et qui se sentent en fait pas du tout pris en charge avec une égalité. Donc on va se retrouver avec des scènes de violence. À ça, vous rajoutez le manque de personnel, donc du coup, complètement cette déshumanisation qui est vraiment bien vécue, ce côté de solitude malgré le fait d'être aux urgences. Eh bien, vous avez des gens qui vous tapent, des gens qui vous insultent, vous avez une perte de chance au niveau de la prise en charge, parce que qui dit moins de personnel dit forcément plus d'attente pour les patients, qui dit du coup une perte de chance, voire la mort, et ça nous est souvent arrivé dans nos services d'urgence. Et on en vient vraiment à se poser la question, enfin, quel est le devenir de l'hôpital public qui est quand même le fondement de notre société et qui est l'or au niveau du soin. C'est le souci que nous avons dans notre pratique quotidienne à l'hôpital public de voir notre champ de travail, notre milieu se dégrader petit à petit et d'être en proie à une sorte de mouvement très structuré et politiquement très puissant de transformation d'un esprit, d'un hôpital public, d'un service public à la population vers une entreprise qui a des soucis plutôt de management de la santé plutôt que du patient et de son destin. Curieusement, au bout de 30 ans, dans l'ensemble de l'hôpital, on sent quand même qu'il y a eu une perte, en tout cas, qu'on dira pouvoir, hein, des services, des soignants, qui n'en avaient déjà probablement pas beaucoup quand même, mais en tout cas, une perte de l'écoute dans nos problématiques quotidiennes auprès des administrations, et ça clairement. Moi, je le vois depuis les années 2000-2010, et très clairement, avec l'arrivée, notamment dans notre hôpital, d'une nouvelle direction, des personnes qui sont formées très différemment que les personnes précédentes. On avait vraiment, jusqu'en 2010, à notre disposition une administration qui faisait attention à ce qu'on fait, qui essayait de nous soutenir, qui nous posait aussi des obstacles quand les limites étaient là, notamment financiers, etc., mais qui discutait, qui était en contact avec nous. Et avec la loi HPST, les choses ont changé et la direction, une fois partie, le précédent directeur, il connaissait le soin, il savait ce que c'est les enfants en difficulté, les familles. Il était d'origine éducateur spécialisé et puis il est devenu directeur, mais très soucieux des pratiques qu'on faisait. Et avec la direction managériale nouvelle, on a affaire à des gens qui non seulement ne connaissent rien à l'hôpital, ils peuvent venir, je ne sais pas, de, par exemple, l'administration pénitentiaire ou d'une entreprise ou d'une une collectivité territoriale, mais qui ne savent rien à la santé et qui ne veulent rien savoir à la santé. Quand, par exemple, on organise un colloque, on a fait ça en 2019 sur notre pratique particulière en pédopsychiatrie, il y avait zéro administratif qui soit venu pour écouter, pour apprendre, pour se familiariser. Voilà. Il y a une
une grande loi, en tout cas ce qui concerne l'hôpital, la fameuse loi hôpital, patient, territoire de 2009, qui en fait a instauré, qui a marqué une rupture en fait en ce qui concerne l'hôpital, notamment en termes de ce qu'on appelle la gouvernance de l'hôpital, et qui en même temps a mené ce qu'on a appelé le nouveau management public à l'hôpital, et qui a eu pour conséquence importante de, en disant de manière schématique, de déconnecter le travail de soins et la question de comment on gère un hôpital et comment on l'organise. Voilà. Et puis surtout, ça a été une coupure franche avec la gouvernance telle qu'elle était auparavant, qui n'était pas d'ailleurs forcément absolument celle qu'il faudrait réinventer aujourd'hui, hein, puisque c'était une gouvernance où il y avait un partage des pouvoirs entre la direction, la commission médicale d'établissement, qui est le pouvoir médical en fait, et puis le conseil d'administration, où siégeaient en particulier les élus, mais pas seulement, enfin au niveau municipal en fait. Et donc cette loi-là a mis un stop à ce genre d'organisation, pour des tas de raisons sur lesquelles on pourrait revenir, et a donné tout pouvoir en fait aux directeurs d'hôpitaux, et en même temps a imposé ce qu'on appelle le nouveau management public. De toute évidence, l'introduction du New Public Management, comme on dit, c'est-à-dire des méthodes d'organisation bureaucratique et taylorienne du travail dans le secteur du soin, qui date des années 2000, hein, avec en particulier la tarification à l'activité, mais aussi tous les processus de certification, d'accréditation, qui obligent à un reporting permanent des actes par les soignants, à une traçabilité permanente, une inflation de travail de collecte de données qui éloigne les soignants de l'acte de soins et qui les soumet à un contrôle, pas seulement un contrôle budgétaire, mais un contrôle de leur activité, un contrôle très, très étroit de leur activité. C'est là la principale cause de ce que vivent les soignants en termes d'intensification du travail, puisqu'il faut qu'ils fassent, en plus du travail de soins, il faut qu'ils fassent tout le travail de reporting, le travail bureaucratique, et de perte de sens, d'incapacité à maintenir une relation de qualité avec les patients. Donc voilà, on a eu un empilement de couches administratives depuis des années et des années, ce qui fait qu'on est complètement pris par ça, on est de moins en moins disponible pour les patients. Donc l'ambiance dans les services s'en ressent nettement, avec un accueil qui est de moins en moins satisfaisant, enfin de moins en moins accueillant justement, et donc des tensions énormes, des personnels qui sont épuisés, qui comprennent plus tellement ce qu'ils font et qui d'ailleurs se détournent de l'hôpital. Il y a quand même beaucoup de gens qui quittent l'hôpital, et notamment des psychiatres. Une fuite vraiment en masse. J'ai travaillé pendant 6 ans à Édouard Toulouse, donc en hôpital psychiatrique, en tant qu'éducateur. Et en fait, j'ai adoré ce métier. Je trouvais ça vraiment passionnant. Mais l'institution m'a achevé. Ça m'a rendu malade. J'étais vraiment malade physiquement, en fait, tous les 3-4 mois. J'avais des crises de colite, machin. Enfin, j'étais... Et en fait... Au moment où j'ai arrêté, tout ça a disparu. Personnellement, en tant que responsable des enquêtes sur le travail et la santé au travail au ministère du Travail, j'ai constaté depuis 20 ans maintenant que la situation des conditions de travail, de la santé des soignants est la pire de tous les travailleurs en France, et de loin, et que ça se dégrade, alors que ça a eu plutôt tendance à s'améliorer légèrement ces dernières années dans d'autres secteurs. Pour le secteur de la santé, ça a continué à se dégrader en termes d'intensification du travail, de perte de sens du travail. Les enquêtes le montrent. Donc, il y a vraiment une situation qui est intenable pour les soignants, pour les patients et donc pour l'ensemble de la société. La situation va être dramatique. Les gens pensent que ça va être toujours le monde d'avant. Non, l'hôpital ne va plus être, avec les réformes qu'il a subies, l'hôpital qu'il a été. Et que là, on a... Pour l'histoire, par exemple, du Covid, on a tenu, mais là, on craque. On a tiré sur la corde. On n'a pas réemployé d'infirmiers, d'aides-soignants suffisamment. Il y a des services entiers qui sont fermés par manque de médecins ou d'infirmières cet été ou d'aides-soignantes. En plus, il y a des politiques de fermeture de lits qui se poursuivent. Les gens sont dégoûtés de travailler à l'hôpital. Il y en a beaucoup qui partent.
et les mesures prises par le gouvernement ne font que reconduire la situation sans modifier d'aucune façon l'organisation des soins, qui est aujourd'hui la principale cause de la catastrophe que connaissent les soignants et les patients dans ce système. Chaque service est juste un peu en concurrence. Et donc ça, effectivement, cette réflexion sur cette mise en concurrence, notamment par les lois récentes, hein, de l'hôpital, de l'HPST par exemple, hein, cette mise en concurrence de services à l'intérieur d'un même hôpital pour avoir les meilleurs budgets ou avec les cliniques commerciales est pour moi totalement délétère. Et cette réflexion sur les communs pourrait effectivement peut-être réaméliorer et puis mettre à la poubelle cette volonté, cette nécessité de concurrence idiote, selon des principes qu'on connaît tous, le néolibéralisme, économique en tout cas. C'est vraiment par le budget à l'hôpital et le poids qu'a pris l'administration depuis cette fameuse loi de 2009, la HPST, qui est sous le gouvernement Sarkozy, c'est vraiment à partir de ce moment-là où l'administration a complètement évincé les soignants, enfin les médecins, parce qu'avant c'était les médecins qui avaient plutôt le pouvoir par le biais de la commission médicale d'établissement, avec le maire, et maintenant c'est vraiment l'administration qui est toute puissante. Et donc on voit des médecins qui enfin pas que les médecins, mais les soignants qui s'en vont en fait des hôpitaux parce qu'ils n'arrivent pas à obtenir les postes qu'ils veulent, les conditions de travail se dégradent de plus en plus. Mais on parle moins de la médecine de ville qui est dans une situation assez proche en fait, et qui subit aussi la dégradation de l'hôpital, parce que quand vous ne pouvez plus adresser vos patients spécialistes, il faut un an pour avoir un rendez-vous, vous ne pouvez plus faire hospitaliser les patients parce qu'il n'y a jamais de lit libre. Les urgences, les patients ils peuvent rester jusqu'à 72 heures sur un brancard. Enfin, très concrètement, pour le dire assez brutalement, c'est une contrainte budgétaire. C'est-à-dire que l'objectif a été de réduire les coûts de santé. Donc, du côté de ce qu'on pourrait appeler les soins ambulatoires de premier recours, médecins, infirmiers, kinés, ça a été de limiter le nombre de soignants, en fait, notamment les médecins généralistes, hein, par le biais du fameux numerus clausus, où c'est le gouvernement, hein, qui choisit chaque année combien de nouveaux médecins on va former. Et ça, ça a été volontaire. Depuis le début des années 2000, il faut quand même le savoir, le Conseil de l'Ordre dit « attention, on va à la catastrophe ». Et le Conseil de l'Ordre, ce n'est pas un organisme très progressiste, hein, en général, et pas révolutionnaire, mais il dit « attention, on va à la catastrophe, il faut remonter le numerus clausus ». Ça n'a pas été fait. Donc, on va dire qu'on a bouché les trous pendant un moment, mais là, ça y est, on arrive vraiment au moment où c'est extrêmement compliqué. Mais c'est un processus quand même qui dure depuis 20-30 ans. On est dans une situation assez compliquée, hein, sur le plan de la démographie médicale qui est vraiment en berne. Donc une charge de travail qui augmente, des cabinets qui ferment aux alentours, qui ne sont pas repris. Donc vraiment des problématiques assez inquiétantes, quoi, sur le plan de l'accès aux soins pour toute la population du territoire. Vous arrivez dans un quartier où il est difficile, où les gens, dès 6h du matin, font la queue chez son généraliste. C'est pas concevable qu'à la Castellane, vous n'ayez plus de médecin généraliste. C'est 6 000 habitants qui a une arrondissement de Marseille. C'est pas concevable que dans le 14e, autour de Surine ou autre, vous n'ayez pas la possibilité de créer des structures. Parce que la santé, maintenant, c'est simplement une machine à sous. Et ça marchera pas. Parce que la santé, c'est pas possible d'être réduit à une simple activité financière qu'il faut rendre rentable. L'hôpital public lui-même n'est pas, à proprement parler, financiarisé. Il n'est pas privatisé, il ne sert pas des dividendes aux actionnaires, mais il est financiarisé au sens où il est sous la pression des agences de notation qui vont scruter les déficits des États et sanctionner les États qui ne prendraient pas les mesures nécessaires pour réduire ou contenir au maximum les dépenses publiques. Et donc, si une agence de notation dégrade la note d'un État, ça veut dire augmentation des taux d'intérêt, donc coût budgétaire important. Et donc, cette discipline des marchés financiers, indiscutablement, même si les hôpitaux restent publics, hein, dans leur grande majorité, pèse sur le fonctionnement quotidien des structures hospitalières. Donc oui, ce n'est pas une financiarisation au sens d'une privatisation, mais c'est l'introduction d'une logique financière via la pression des agences de notation et des marchés financiers sur les États. Et donc finalement, on a financement et nouveau financement et nouvelle gouvernance qui vont en fait marquer une rupture très significative et qui va permettre d'expliquer la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui en ce qui concerne l'hôpital. Et que ce soit les institutions hospitalières, mais aussi plus largement sociales, médico-sociales, associatives, culturelles, sont soumis de plus en plus à des dispositifs d'évaluation normatifs, qu'on pourrait dire un petit peu
pris dans des dispositifs d'excès du néolibéralisme au niveau d'une forme de technocratie qui empêche les gens qui pratiquent de pouvoir soutenir les fondements de leur pratique. Finalement, je suis relativement pessimiste. J'ai l'impression que ce qui est important aujourd'hui, c'est, et j'espère qu'on va réussir à le faire, d'arrêter cette machine de destruction de l'hôpital public. Et je ne sais pas si on va y arriver, mais je ferai tout pour ça. Il y a des gens qui essayent, dans le service public, de pratiquer et de défendre des valeurs que je partage avec eux et qui se font sacrément taper sur les doigts, voire qui se font maltraiter. Enfin, j'aimerais bien qu'on puisse survivre déjà face à ça. Et puis ensuite, je pense que c'est surtout les changements politiques qui dépassent un peu ce que nous pouvons faire et qui nous permettront d'aller plus loin ou non. De toute façon, l'impasse du système hospitalier actuel est tellement évidente qu'il va bien falloir trouver des solutions. Le problème, c'est d'être assez nombreux et d'avoir le rapport de force pour le faire. Parce qu'en fait, on est face à un barrage qui est en train de prendre l'eau de part en part. La première des choses, parce qu'on parlait autour de cette année de révolte, je pense qu'il faut que collectivement on prenne en charge, et on se prenne en charge. Je pense que l'élément fondamental est là, l'élément clé, c'est ça, c'est comment nous, en tant qu'usagers, nous en tant qu'habitants, nous en tant que professionnels de santé, nous, en tant que citoyens, on peut faire cause commune et faire en sorte qu'on n'accepte pas le fatalisme ou l'inégalité ou le récit qu'on est en train de construire.